C'est un appartement dont le décor architectural existait, fait dans les années 25. Il est exactement un décor qui correspond au goût d'Yves, parce que Yves a des fantasmes très variés. C'est comme dans sa mode. Il fait des tailleurs extrêmement stricts et des smokings, et puis il fait des robes de féerie russe. Et bien, c'est pareil dans son goût de décoration. Paris correspondait à ce goût de la rigueur, de la ligne et de la beauté art déco, son goût de Jean-Michel Franck. Tout correspond à lui plaire. Il le prend, cet appartement, en 5 minutes, je crois. Il commence à l'installer avec son goût à lui, sans moi. Donc moi j'arrive, je les rencontre, la maison est faite, sans collection. C'est à l'époque où je connais des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces grandes collections qu'ils vont avoir plus tard. Et les meubles art déco, par contre, arrivent très vite. Parce qu'à l'époque, les meubles art déco ne coûtaient pas d'argent. Ils avaient ce goût avant tout le monde. On retrouve Rateau, on retrouve Dunant, on retrouve Jean-Michel Franck, on retrouve Miklos. J'ai commencé jeune homme, à 21 ans. J'ai quand même rencontré Marie-Laure de Noailles, qui était son repère. Et Pierre Berger aussi, sur le plan du goût et des collections. Ça a été le repère de leur vie pour construire et une esthétique et des recherches d'esthétique similaires. Vous avez Matisse, Fernand Léger, les œuvres de Ingres ou de Cézanne, mêlées dans ces grands panneaux de bois sec, comme ça, absolument comme chez les Noailles. Au fond, il y a une osmose, là, de goût. Ils ont commencé leur collection de camées, ils m'ont demandé de transformer cette alcôve, qui était une alcôve, genre alcôve de miroir, en cabinet de collection. Alors Yves tenait absolument à garder son Bouddha porte-bonheur doré au milieu de ses camées. Moi je trouvais ça incompatible, mais je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour que ça marche. Donc j'ai trouvé la solution de le mettre dans l'axe, de le mettre dans cet univers, et ça a marché. Quand Yves décide de changer la bibliothèque, qui était une bibliothèque très 70, laqué blanc, mais il me demande de faire une bibliothèque toute en chêne, mordorée, et en pensant au univers de Chanel pour les couleurs, parce qu'il était très obsédé aussi par Coco Chanel. Yves était contemplatif, il vivait dans un esthétisme total. Il fallait que le couvert, la fleur, c'est une vie particulière par rapport à ce que je vis ailleurs avec d'autres clients.